Pour info, on a 108 000 passagers, donc quand même un trafic assez important, en particulier sur les départs. Donc, Jérôme, des infos ou pas au niveau piste? Alors, la difficulté avec Air France, là, ils sont en train de compliquer la tâche avec les gros porteurs. Impeccable. Merci. Acacio? Pour nous, c'est une journée chargée. On a pas mal de saturation actuellement du fait d'un nombre important de passagers et de bagages aujourd'hui. Saturation, Orly 3. Beaucoup Orly 3, Orly 2. Une journée classée rouge et des engorgements alors qu'il n'est que 5 heures du matin, l'heure de réouverture d'Orly. Ça devrait tenir quand même, j'espère. Bon, merci beaucoup. Pour Léo, la course contre la montre démarre dès l'aube. En coulisses, depuis son poste de commandement. Cette salle de contrôle, aux allures de cockpit de vaisseau spatial, est truffée de dizaines d'écrans qui scrutent le moindre recoin de l'aéroport. Là, le DOR France, il me dit c'est dur de faire les opérations en escale, on laisse juste une heure au point, après on revient juste deux heures avant. Et on laisse. Après des études de commerce et l'École nationale de l'aviation civile, Léo est directeur opérationnel à seulement 26 ans. Le chef d'orchestre qui coordonne les 270 métiers de la plateforme. Il a récemment dû prendre la lourde décision d'évacuer tout l'aéroport pendant plusieurs heures. Je l'ai revalidé avec lui. Merci beaucoup. C'est un bagage cabine où dedans il y avait une image douteuse où l'agent a dit bah, il y a peut-être un engin explosif. Et en fait, c'était simplement dans une chaussure de créateur de mode qui avait mis un dispositif lumineux. Mais du coup, à l'image, bah, on avait une batterie avec des câbles artisanaux qui étaient dans une chaussure. Donc forcément, il y avait un doute. Cette fois, c'est le challenge des gros départs en vacances que Léo doit surmonter. Ouais, c'est dans 9 minutes. Orly, un aéroport centenaire, dont le trafic ne cesse d'augmenter grâce à l'explosion des low-cost. Un vol toutes les 1 minute 30. Et un lifting de 380 millions d'euros avec la construction d'un terminal flambant neuf qui a transformé les anciennes Orly Sud et Ouest en hall 1, 2, 3 et 4. Pour le nouvel Orly, cet été, c'est le baptême de l'air. Dans le nouveau terminal, la compagnie star, c'est Transavia, low cost, filiale d'Air France. Oui, madame, bonjour. Oui, vous allez à quelle destination, madame? À Alicante. Pour faire des économies, la première low cost d'Orly a supprimé du personnel et installé 50 bornes libre-service. Mais entre l'inexpérience des clients et les soucis techniques, ça coince. Ouais, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Bagages à enregistrer, j'en ai pas. Et j'ai beau sélectionner et il se passe rien. Que des bagages en main, madame? Exactement. Très bien. Vous tapez sur pas de bagages enregistrés. Oui, il veut pas. La touche pas de bagages bug. Il faut en fait cliquer sur bagages à enregistrer. Puis zéro. Eh bien, écoutez, c'est fastidieux. Très bien. Cette autre passagère ne sait pas qu'elle doit ouvrir son passeport pour que la machine puisse le scanner. Bien, il y en a une qui marche, là, Nicole. On a un coup de chance. Vous venez avec moi. Ah non, c'est infernal. On les essaye toutes et il n'y en a pas une qui marche. C'était pratique, avant. On avait avec le bagage, on faisait la queue une fois. Déjà, c'était pas. Maintenant, on fait la queue ici, on fait la queue là-bas, on fait la queue partout. Il paraît que c'est le progrès. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Benjamin Bordet est le directeur des opérations au sol. Disons que oui, il y a moins d'humains, il y a plus de machines, mais on avait des temps de traitement unitaire à l'enregistrement d'environ 60 secondes. Et là, sur la borne libre-service, on est à 25-30 secondes. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous demande de reculer et de vous approcher vers l'embarquement 34, l'enregistrement 34. Le directeur doit maintenant faire face à une autre péripétie qui se produit en moyenne 3 fois par jour. Vous êtes au courant, on a un bagage abandonné en zone 34. S'ils évacuent les hangars, on peut quelquefois ne pas enregistrer pendant 30 à 40 minutes. Et bah, après, les avions prennent du retard. Quoi. Voilà. Après une demi-heure d'attente et la destruction du bagage... Ouverture du périmètre de sécurité, merci à tous, excusez-moi. Une nouvelle épreuve attend les passagers. Une file d'attente interminable devant les dépose-bagages automatiques.
demande de scanner votre ticket de bagage. En partance pour Ibiza, ces deux amis ont normalement droit à 20 kilos chacun. Vous pouvez poser le bagage sur le tapis. La compagnie low cost est intransigeante sur le moindre gramme d'excédent. On part 5 jours, mais tout va bien. C'est comme si on partait à moi. Alors voilà. Vous avez 22 kilos de sang. D'accord. Donc, il faudra retirer 2 kilos. Vous les réglez. C'est combien les 2 kilos ? 15 euros. Les excédents de bagages représentent 25 milliards d'euros annuels de revenus supplémentaires pour les compagnies low cost. La passagère conciliante enlève finalement des vêtements pour les glisser dans son bagage à main. Mais pour d'autres, la tension monte. De votre collègue qui nous a envoyé de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Attendez, mais c'est pas possible. Notamment pour les passagers confrontés au surbooking. Non, moi je peux rien faire, madame. Mais on a arrêté de prendre des deux. Sinon, on a fait à la police, c'est lui. Non, c'est pas une question de police, c'est une question de valet. Cette dame de 80 ans doit embarquer pour Porto. Elle s'est présentée 3 heures à l'avance et a déjà subi la longue file d'attente. Mais la compagnie vient de lui annoncer que le vol est surbooké et partira sans elle. Shabaz, le superviseur des employés au sol, ne peut rien face à la colère de la famille. Bah en fait, c'est pour que les avions puissent être remplis, parce qu'il y a plein de monde. Le surbooking n'est pas interdit, en fait. Tout ce qui est enfant voyageant seul, passager avec un handicap, avec famille, on évite de débarquer ses passagers en priorité. En revanche, la dame âgée n'aura pas le choix. Elle sera déplacée sur un vol du soir, 4 heures plus tard, contre un dédommagement de 250 euros. Pendant ce temps-là, le vol TO-3728 en provenance d'Ibiza se pose sur le tarmac. Dans seulement 45 minutes, il repart pour Dublin. Le temps de rotation est 2 fois plus court pour les low-cost, comparé à une compagnie régulière. Les 36 Boeing effectuent 4 décollages et 4 atterrissages par jour. Encore beaucoup à l'intérieur. Éric Guérard est le superviseur des escales. Chacun sait ce qu'il a à faire et dès que l'avion arrive au bloc, chacun doit tout de suite se mettre en route et chacun connaît bien sa partition. Les gens qui déchargent les bagages, le pétrolier, les moyens d'accès cabine, c'est très important que tout le monde soit là à l'heure et que toutes les opérations, c'est chronométré, c'est à la minute près, de manière à ce que l'avion puisse repartir le plus vite possible. Chaque minute de retard coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros à la compagnie. La low cost sous-traite tous les métiers de l'escale, comme ce fueler qui pompe grâce à son tuyau souterrain le kérosène acheminé par pipeline directement depuis le port du Havre. C'est ensuite le commandant de bord qui effectue le contrôle technique de l'avion. Emmanuel Kachian appellera un mécanicien qu'en cas de doute. Là, vous vérifiez quoi ? On vérifie l'état de l'appareil avant de partir en vol. Ça serait qu'il n'y a pas visuellement d'éléments qui posent problème pour partir en toute sécurité. Un pilote Transavia travaille 700 heures par an contre 600 chez Air France, soit 15% de plus. C'est quoi ça ? Ce sont les fuites de train. Il y a tous les systèmes hydrauliques en particulier. On voit s'il n'y a pas de fuite. Le commandant de bord vérifie surtout qu'aucun oiseau n'a endommagé les réacteurs. Pas le temps de souffler non plus pour les 4 hôtesses et stewards. Sur les low cost, il faut un premier passage pour nettoyer l'avion. Afin de faciliter le travail des femmes de ménage. S'il prend du retard, l'avion ne pourra plus revenir le soir même à Orly, car l'aéroport ferme à 23h30. Il serait alors dérouté sur Roissy-Charles de Gaulle, avec de lourdes conséquences financières à la clé. Il est propre, ça vient ou pas ? Ça dépend des jours. Ça dépend de toi, ouais. Là, ça va, ça a l'air d'aller. Vous avez combien de temps pour le nettoyer ? On a 10 minutes. Ça le dégage, on a 10 minutes. C'est rapide, oui. Vas-y, c'est bon. C'est fini. C'est fini, oui. C'est fait.
Il est 18h20, dans le cockpit, Emmanuel et son copilote achèvent leur plan de vol. On est dans les temps, c'est bon. L'avion quitte le tarmac à l'heure. La compagnie low cost transporte l'été 20 000 passagers par jour, 130 vols sur 57 destinations. Et tout ne se passe pas toujours aussi bien. Les problèmes sont gérés en coulisses, dans ce bâtiment au cœur d'Orly. Je vous appelle concernant le Tango Victor Fox qui opère le vol Transavia 4608. On prend du retard pour un souci d'alimentation en fuel, c'est ça ? Aurélie est la madame SOS de Transavia. D'accord. Okay. Ah, tu as déjà eu. Deux okay. de ces avions ont pris plus d'une heure de retard à Nantes à cause du camion d'essence qui n'arrive pas. Passage pour qu'il fasse des annonces. Aurélie et Orly, c'est une histoire d'amour de 14 ans déjà. Okay. Au point d'avoir tatoué un avion sur son bras. Je suis capable de regarder un avion avec des yeux d'une gamine qui regarde une poupée Barbie, quoi. C'est une passion, c'est... Je sais pas comment l'expliquer, c'est un monde qui est un peu foufou. Il faut le vouloir pour vraiment travailler dans l'aérien. On fait des horaires en décalé, on se réveille la nuit pour venir travailler. Moi, j'avais 16 ans la première fois que je suis venue à l'aéroport. J'ai vu une dame d'Air France passer devant moi en uniforme. Je l'ai regardée, elle m'a fait un grand sourire. J'ai vu un avion passer juste derrière la baie vitrée. J'ai dit, c'est bon, je veux ça. Ouais. Kilo bravo. Deux passagères en partance pour Fès se sont présentées pour 7h20. D'accord. Vas-y, réexplique-moi. Elles ont les cartes d'embarquement. Alors que leur vol partait en fait à 6h30. Orly Fès. C'est l'agence de voyage en ligne avec laquelle elles ont acheté les billets qui les a mal renseignés. Aurélie appelle l'employé du comptoir qui se trouve avec les passagères. Eh oui, en effet, il y a une erreur. Ils lui ont pas donné la bonne information, là. Mohamed, c'est Aurélie, Transavia. Oui. Donc, je confirme que Opodo a fait une erreur. Tu peux la mouver gratuitement sur le vol de demain ? C'est gentil. Des passionnés comme Aurélie, l'aéroport en emploie 25 000. Il n'y a pas de souci. OK. Parmi eux, les inspecteurs de piste. Angélique travaille ici depuis 24 ans. C'est la première femme de son service. Pas de faire les carreaux. Bien pris, 2 du 6. 9 de l'Utavir 5, bonjour, de l'antennage pour un début d'émission, s'il te plaît. Donc là, on fait l'inspection des VCA, des voies de circulation avion. On vérifie l'infrastructure, on vérifie le balisage et s'il n'y a pas d'objet dangereux pour les aéronefs. S'il n'y a pas une bouteille d'eau, une bâche plastique, une vis. En 2000 à Roissy, le crash du Concorde a été causé par une lamelle métallique sur une piste, ayant entraîné l'éclatement d'un pneu. Orly Tour, inspection 6. On débute l'inspection de la 0624. Quand on nous appelle pour parce qu'un pilote a signalé quelque chose sur la piste et qu'on va sur la piste et qu'on trouve rien, on a toujours peur d'avoir oublié ou de ne pas avoir vu quelque chose. Angélique surveille aussi la présence de renards ou de lapins. Elle parcourt plus de 100 km par jour. Cette fois, aucun objet dangereux à signaler. Orly Tour d'inspection 6, piste 0826, contrôlé dégagé des trois véhicules et utilisable à plus tard. Pendant qu'Angélique scrute le sol, Sébastien, lui, surveille le ciel. Son métier insolite est faroucheur d'oiseaux. La collision avec un volatile est le risque principal d'accident pour un avion. L'été, on sait qu'on va avoir du pigeon ramier, d'office. L'hiver, on va plus avoir du vanneau huppé, par exemple. C'est des oiseaux migrateurs, en fait, tout simplement. C'est arrivé une fois qu'on ait eu 50 cigognes sur la plateforme. Ou encore des hérons de 2 mètres d'envergure. Pour les effaroucher, Sébastien tire des fusées. Donc là, l'important de cette manœuvre-là, c'est vraiment de faire bouger les oiseaux pour qu'ils s'éloignent le plus, en fait, des aéronefs. Et là, quand on regarde les oiseaux, ils commencent à descendre. Donc une petite dernière pour bien les emmener loin, et ce sera très bien.
Les effaroucheurs sont présents sur la piste avant même le lever du soleil. Et jusqu'à une heure après le couvre-feu. Mais dans le monde aérien, la principale hantise, avant les oiseaux, c'est le risque d'attentat. Le Nouvel Orly s'est doté d'équipements de contrôle plus technologiques qui génèrent moins de files d'attente qu'avant. Désormais, les passagers se présentent 6 par 6 au poste de filtrage. Ils passent ensuite au pinceau qui détecte les traces d'explosifs. Puis, dans le scanner corporel, qui voit à travers les vêtements. Bonne santé, madame. Super, viens, jeune homme. Allez, vas-y. Allez-y, madame. Neddy, superviseur, mettez un pied. Explique aussi la nouvelle machine, grâce à laquelle plus besoin d'ôter ses chaussures. Si par exemple c'est positif, il y a une alarme. Soit elle est bleue, c'est pour tout ce qui est métallique. Soit elle est orange, c'est pour tout ce qui est explosif. Ou soit elle est verte, c'est négatif. L'autre pied. 300 passagers sont contrôlés chaque heure, contre 180 auparavant. La principale nouveauté d'Orly, c'est que l'analyse des images au rayon X ne se fait plus sur les tapis. Mais dans la salle MUX, ce lieu clos, tout près des postes sûreté, qu'aucun passager ne voit. Désormais, c'est ici, sans contact physique avec les voyageurs, que les opérateurs analysent au calme les objets qui voyagent en cabine. Avec ces boutons, ils décident si le bagage peut passer ou s'il doit être fouillé. Même vigilance et mêmes équipements high-tech pour les bagages en soute. C'est quel vol, ça ? Avec ce nouvel hangar, immense, qui trie 80 000 bagages par heure. Des carrousels et des toboggans, où les valises sont dispatchées, scannées et passées au contrôle anti-explosif. Mais la technologie n'est pas infaillible. En complément, depuis 1985, l'aéroport possède son propre chenil. Natacha est maître chien de la police aux frontières. Mako ! Salut mon loulou ! Voilà, voilà. Assis ! Assis ! C'était dur. Tu vas où ? Alors lui, c'est qui ? Mako, mon chien. À quel âge ? Il a 3 ans. Il a commencé sur la plateforme aéroportuaire il y a un an et demi à peu près. Là, il est content, il veut sortir maintenant. Merci. Allez, on y va, Loulou. Les Malinois sont les meilleurs chercheurs d'explosifs, tandis que les Labradors et les Caniches sont plutôt dédiés aux stupéfiants. C'est bien, mon gros. Très bien, ça, Loulou. Pour entraîner son chien, Natacha a caché près d'une poubelle. T'as pas fait, là. Mac. Un buvard imprégné de TATP. Tu as déjà fait. On continue. L'explosif le plus couramment utilisé par les terroristes. C'est vraiment dans le regard que ça va se passer. Le chien, il sait qu'il a quelque chose, il a un doute. Donc là, il bouge plus. Puisqu'on apprend au chien explos à ne ni aboyer, ni mordre, ni gratter. Quand il y a une matière, c'est qu'il y a un risque potentiel d'explosion. Donc là, justement, on fixe. Le 18 mars 2017, lorsqu'un homme muni d'un bidon d'hydrocarbures a attaqué des militaires dans le hall 1 d'Orly, avant d'être abattu, Natacha et son chien étaient en première ligne. Eh non, il est là. C'était encore mon ancien chien et on nous a donné comme mission d'effectuer une recherche avec le déminage sur le véhicule de l'individu qui avait été retrouvé dans un parking en sous-sol. Et bien évidemment, là, le risque, il ne peut pas être plus réel. Orly possède son chenil, mais aussi sa propre caserne de pompiers. Plus surprenant encore, au sein de l'aéroport se cache une vraie clinique, ouverte 365 jours par an, 24 heures sur 24.
Donc en consulte, en vaccin, t'as qui le prochain, c'est qui ? Chadige Belli est le médecin-chef. Son centre de secours pratique des vaccinations. Surtout, tu bouges pas. On va prendre les petites mains. On se relâche et hop, c'est parti. Super. Même pas une petite. Voilà, c'est bon. Là, ça y est, c'est fini, nickel. Très bien. La clinique collabore aussi avec les forces de l'ordre. Cette jeune kurde de 16 ans, en t-shirt rouge, vient d'entrer illégalement sur le territoire français. Elle attend d'être auscultée avant d'être placée en centre de rétention. C'est la procédure. On voit tout type de pathologie, c'est comme une ville. Alors il y a certaines pathologies qui sont un peu plus spécifiques d'une zone aéroportuaire, mais on peut tout voir, donc ça va effectivement du petit malaise à l'arrêt cardiaque, à l'accouchement. Il n'y a pas longtemps, on a fait un accouchement dans un avion, donc tout est possible. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ? Simplement depuis hier soir, je pense que j'ai un problème au dos. D'accord. Ce patient est un pilote d'Air Caraïbes. Est-ce que c'est une sciatique ou pas ? Je ne sais pas. D'accord. Vous donnez quelle note à votre douleur, là ? 8 à peu près. 8 sur 10, d'accord. Ouais. Une grosse douleur. Ouais. Bon, juste dégrafer, s'il vous plaît, la chemise pour que j'écoute. Le pilote est en escale. C'est Shadi qui doit décider s'il est en état de prendre les commandes d'un avion pour repartir en Guadeloupe. Donc là, l'infirmière va venir vous perfuser, vous mettre une perfusion, vous passez les médicaments pour la douleur. On réévalue ça tout à l'heure. Et en fonction de l'évolution, on verra. D'accord. Par précaution, on va vous faire un électrocardiogramme. Mmh. D'accord. Parce que comme la tension est élevée, elle reste aux alentours de 18, je pense. Un électrocardiogramme, car après les voyages en avion, Shadi craint particulièrement les embolies pulmonaires. Je vous envoie tout de suite l'infirmière et on refait le point une fois que le médicament sera passé. Merci, docteur. Je vous en prie. Depuis quelques années, les aéroports sont confrontés à un nouveau défi. Un palmarès mondial publié chaque année. La note d'Orly est catastrophique. En mai dernier, il était classé 126e sur 132. Pour redorer son blason, l'aéroport s'est doté d'une nouvelle galerie marchande que les voyageurs du hall 3 sont obligés de traverser avant d'embarquer. Avec murs d'eau géants, hologrammes, gastronomie française, Madame, bonjour, bienvenue. Et même de la lingerie fine. D'accord, je vais regarder si je l'ai en blanc. M, juste là. D'accord, si ça vous va très bien. Les passagers des low cost ne payent pas cher leur billet d'avion et se laissent donc volontiers tenter par de petits achats, avec deux sortes de prix. En duty free, à gauche, pour les vols long courrier. Il y a aussi le stand maquillage et surtout le barbier. Un coiffeur professionnel au milieu du magasin. Laissez la bouche fermée, justement, je vais toucher la lèvre. Taille et coiffage en 20 minutes, un service gratuit pour le passager, même si le barbier essaye de vendre ses produits. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand vous appliquez l'huile, c'est vraiment aller au contact de la peau. Ouais. Pas chercher à... Nicolas n'achètera pas l'huile, mais il apprécie le service. On est assez pressé à l'aéroport. Moi, je sais que j'arrive bien en avance pour prendre le temps de prendre le café. Si en plus, je peux prendre le temps de m'entretenir la barbe ou les cheveux, ça peut être un plus. Hein. Parmi les autres critères de qualité, les nuisances sonores. Orly est donc devenu aéroport silencieux. Où on lit la porte ? Alors pour l'instant, la porte n'est pas affichée, mais vous pouvez avoir plus de renseignements en regardant sur cet écran tactile. Marie-Judith fait partie des accompagnateurs de passagers que la direction a recrutés. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus, malgré les indications. En fait, d'une façon générale, les gens ils ne lisent pas les panneaux, puisqu'ils sont affolés, ils ont peur de rater leur vol. Les annonces sonores sont limitées aux urgences. Donc voilà, une pièce d'identité qui a été retrouvée, d'accord. La passagère qui a perdu sa carte d'identité ne pourra pas embarquer. Marie-Judith demande à ses collègues de faire exceptionnellement une annonce. Cela se passe dans la salle de commandement de l'aéroport. Votre attention s'il vous plaît, Madame Marie-Laure Garnier. Madame Marie-Laure Garnier est invitée à se présenter au poste de police situé à l'entrée de la porte D. Madame Marie-Laure Garnier.
Parmi les critères de classement des aéroports, la ponctualité, le service, le bruit, mais aussi la propreté. Sadek, tu peux me prendre la machine là-bas, s'il te plaît, et commencer à donner un petit coup devant les JBS là-bas. Lassana, le superviseur, est fier d'avoir amélioré la note du nettoyage, attribuée par un organisme indépendant. Les poubelles qui sont devant. On a eu 7,5 sur 10. C'est une bonne note ? Une très bonne note. On voulait avoir 7 depuis un certain temps, et là, on a eu 7,5. Donc, ça veut dire que vraiment, on a mis le paquet. Tu feras attention au téléphone, Alain, s'il te plaît, d'accord ? Surtout, il y a souvent de traces de maquillage. Dans les années 60, le nettoyage se faisait à la serpillière. Désormais, chaque nuit, c'est une noria de voiturettes. Cette année, l'aéroport d'Orly accueille 33 millions de passagers. L'an prochain, ils seront 8 millions de plus.